Stéphane Kos qui donne tout à chaque fois lors de ses commentaires. Et Stéphane Kos commentait l'arrivée de Nickel lors de sa victoire dans le prix de la Pépinière. C'est une liste qui se dispute sur l'hippodrome de Paris-Longchamp au mois de septembre. Je crois. Elle battait à cette occasion une représentante Wilhelmstein. Enfin bref, on est là pour parler de rien de rien, qui est un fils de Nickel, qui est un fils de Zamindar également, et qui est nouveau au Haras de la Courlèche et Ophélie Delaunay en 2019. Nouveau pourquoi ? Puisqu'il débutera sa carrière d'étalon cette année à l'âge de 4 ans, à l'âge de 5 ans même, 6 ans même du coup, pour ce nom rien de rien. Fils de Zamindar, comme je vous le disais, qui est déjà le père de Cross Harbour, entre autres, et donc de Nickel, elle-même par Sagamix, elle-même par N'avoue Jamais, et là, lauréate en 2000 du prix Alain Dubreuil. Un groupe 1, bien sûr, l'un des rares groupes 1 d'Auteuil. Sa grand-mère, Nickel, fut une très bonne jument de plat également, puisqu'elle avait gagnante de liste, tout comme Nickel. Elle avait placée du prix Allée France. Et non rien de rien, qui nous présente un fort joli modèle ici, qui toise 1,68 m, et présenté donc par le rat de la Courlet, 2 500 euros, la saillie en 2019.